ماشي كوفيد ياك، وانت اللي خير. بشفى عليك، بشفى ان شاء الله ما يكون غير الخير. صح ربي. Alors, il y a quelqu'un qui demande. Ok, on va accepter. Encore. 22. T. 3. Alors, le premier cours de ce programme du semestre 2 va concerner les méthodes spectroscopiques. Donc, voilà. On a dit 2h30. Oui, il est moins 10. Madame, très bien. D'accord. Nous avons vu le. J'attends encore un petit peu. Avant, il y avait une option où j'autorisais un truc jaune en bas de l'écran et là, je ne sais pas pourquoi. Donc, je suis obligée d'accepter personne. Bon, donc comme je disais tout à l'heure, le programme de ce semestre, c'est les méthodes spectroscopiques. Les méthodes spectroscopiques, donc tout ce qui est méthode d'absorption atomique, la spectrodémission. On va voir l'UV, la spectro-UV. Infrarouge pour voir les fonctions que peut contenir un composé si on veut l'identifier. Et enfin, on terminera par la résonance magnétique, c'est-à-dire la RMN. C'est la méthode qui peut vous donner la structure d'un composé final. C'est-à-dire, ces quatre ou cinq méthodes spectroscopiques sont complémentaires. Est-ce qu'on veut avoir comme information? Est-ce qu'on veut juste voir si c'est un composé ou l'échantillon, si l'absorbe en UV, est-ce qu'il a des insaturations? Là, on peut se contenter de l'UV. Maintenant, si on veut connaître quel est-ce qu'une fonction acide, aldéhyde, cétone, etc., là, on est obligé de faire l'infrarouge. Maintenant, si on veut connaître le squelette, le développer du composé, là on est obligé de faire une résonance magnétique nucléaire. Donc, en conclusion,
Pour une étude finie, pour identifier un composé, il faut la résonance magnétique nucléaire. Pour s'étaler sur la théorie de ces quatre méthodes, vous aurez tout le temps de les voir en master. Là, on va essayer de vous apprendre comment utiliser ces méthodes pour identifier votre composé dont on a appris à extraire, par exemple, le flux S1. Une méthode d'extraction, on a extrait un composé, on l'a purifié, maintenant il faut l'analyser. On a fait par exemple une chromato, il passe par un chromato, on a vu est-ce qu'il est pur, est-ce qu'il n'est pas pur. Maintenant, pour identifier sa structure, on est obligé avec des méthodes spectroscopiques. Alors, la première méthode d'abord, on va parler de généralité. Généralité. Déjà, sur quelle base sont connues ces méthodes spectrales? Elles se basent sur tout simplement sur l'interaction entre l'onde magnétique caractérisée par lambda. Donc, à chaque fois qu'on a une interaction entre une onde magnétique et une matière, on a de lumière. Alors, cette lumière, elle est caractérisée par une onde magnétique et c'est-à-dire avec un gaz ou avec un solide, il y a un spectre qui est émis. Nous, ce qu'on va faire, c'est étudier. Donc, la matière, elle possède une propriété importante, c'est le pouvoir d'émettre ou bien d'absorber de l'énergie. Cette énergie, bien sûr, elle est sous forme de lumière. Donc, si la matière émission d'énergie, il va s'agir de la spectrophotométrie d'émission. À l'inverse, si la matière va qu'il y a une énergie qui a été absorbée Pardon. et il s'agira d'une spectrophotométrie d'absorption. Se forme d'une lumière. Oui, la lumière, D'accord. comme vous l'avez vu en première année, elle se propage sous H nu. Delta égale H nu. HC sur lambda. Oui, madame. Voilà, donc c'est la même énergie dont on parle. Chaque longueur d'onde est caractérisée par, elle est accompagnée par une énergie delta E et H fois la fréquence ou bien HC sur lambda. Donc, la matière, elle peut émettre comme elle peut absorber de la lumière sous forme de H nu. À partir de l'étude de la lumière émise ou absorbée par les atomes ou la composition de l'échantillon. L'analyse, par exemple, de la lumière en ces différentes de la spectroscopie. Donc, quand on dit spectroscopie, ça veut dire qu'on est en train d'analyser la lumière en ces différentes. Donc, quelles sont les méthodes dont on va parler? Je l'ai dit tout à l'heure. Là, on va parler de la spectroscopie atomique, d'absorption atomique et d'émission atomique. On va parler de la spectro-infrarouge, visible, de la spectroscopie en résonance magnétique nucléaire, RMN du proton. On va pas uniquement du proton. Malheureusement, on ne pourra pas faire la spectro de masse, qui est une méthode très très utilisée. La spectro de résonance paramagnétique électronique, la RPE. Donc, les deux dernières, on ne va pas pouvoir les faire, vu le temps qui est
Donc, l'objectif de ce cours, c'est de voir quels sont les à partir du spectre obtenu pour chaque méthode spectroscopique. Les spectres sur la structure du composé, et il y en a d'autres sur la présence de groupes fonctionnels, comme je l'ai dit. Et ce qui est bien, c'est que certaines méthodes spectroscopiques peuvent même vous donner une. C'est-à-dire, on peut même doser. Alors, c'est bien de savoir que les différentes doses vont s'intéresser à quel type de processus. Par exemple, rayon X utilisé en radiothérapie, eh bien, les particules du noyau utilisé. Quand on parle du domaine UV, ce sont des électrons de valence intervenir dans le domaine de l'UV. Dans le domaine du visible, c'est aussi bien visible. L'UV visible, ce sont les électrons de valence qui sont mis en jeu. Par contre, dans le domaine de l'infrarouge, les vibrations des liaisons. Donc, dans l'UV visible, c'est les électrons qui sont mis en jeu. Alors que l'infrarouge, dans l'infrarouge, on va parler des vibrations des liaisons qui lient les atomes. Et plus, c'est les rotations autour de liaisons, la rotation autour de liaisons. Et il s'agira la spectro-RMN. Là, ça concerne les spins nucléaires, c'est-à-dire les autour, par exemple les électrons qui tournent autour d'eux pour donner un spin. Bon, comme vous le savez, c'est plus ou moins un demi, comme on verra par la suite. Alors, les ondes électromagnétiques, il est bon de savoir que l'onde magnétique, c'est tout simplement un champ magnétique qui sont perpendiculaires entre eux. Donc, vous avez ce qui est en bleu, voilà une onde. Et il y a un champ électrique qui est perpendiculaire au champ magnétique. Variation de ces deux champs qui donnent l'onde électromagnétique. Donc, une onde électromagnétique, deux champs électriques et magnétiques qui sont perpendiculaires entre eux pour donner cette onde magnétique. Bon, ça c'est le domaine, j'en ai déjà parlé. Tout à l'heure, l'un de vous m'a dit que m'a posé la question, delta E, c'est quoi? C'est juste un rappel. H, c'est la constante de Planck. Nu, c'est la fréquence. Et on peut l'exprimer en fonction de la célérité de la lumière et de la longueur d'onde. La fréquence, c'est C sur lambda. Peut-être possibilité de faire un ou deux exercices en TD concernant ces relations. Donc, delta E, un état excité et un état fondamental. C'est H nu, c'est HC sur lambda, ou bien HC nu bar, nombre d'ondes. On peut définir la période comme étant l'inverse de la fréquence. Ça, c'est la période. Bon, ça, c'est pas la peine. Alors, comme vous l'avez pu voir ça en première année, je suis dans un état excité, l'électron est dans un état fondamental E0,
Le passage à l'état excité. Donc, il faut que l'électron absorbe de l'énergie pour sauter d'un état fondamental à un état excité. Sur l'état excité, il va revenir à l'état fondamental, il doit émettre un rayonnement, l'absorption, l'émission. L'absorption permet le passage de l'état fondamental à un état excité. Et en redescendant à l'état fondamental, on doit émettre une énergie. À chaque fois qu'il y a absorption ou la émission d'énergie, on a quel type de spectre on peut avoir? Il y a trois types de spectres pour les atomes. Hein, on parle des atomes. D'émission ou l'absorption. Donc en tout, on va étudier trois spectres. Continue, c'est celui de la lumière. Les atomes d'hydrogène, comme vous l'avez vu en première année, et le spectre de rayon d'absorption, on va voir la différence avec le précédent. La lumière blanche, c'est un mélange de toutes les couleurs du spectre. C'est le violet, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Donc ça, c'est le domaine. Avant, c'est l'ultraviolet. Et juste après le rouge, l'infrarouge. Le proche et le lointain infrarouge. Du visible, le violet, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Et par exemple, c'est un mélange de toutes les couleurs. La lumière, elle possède un spectre continu. Parce qu'on passe progressivement d'une couleur dans la succession des couleurs ou la longueur d'onde. Vous avez un spectre continu, il n'y a pas de coupure. C'est le spectre de la lumière. Okay. On peut utiliser les différentes couleurs en utilisant un petit appareil. Donc, on place d'abord un écran avec des fentes pour que la lumière traverse cette fente. Ensuite, on place ce qu'on appelle un prisme. Le prisme, le faisceau lumineux en ses différentes couleurs. Donc, le détail de donné grâce au prisme en verre qui est placé après l'écran. Donc, voilà la lumière du. Le prisme, vous avez les détails des couleurs violet, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Et vous, c'est le visible où on voit toutes les couleurs, une progression où il n'y a aucune coupure. Le spectre d'émission, il existe des sources de lumière qui n'émettent pas de spectre continu. Par exemple, un gaz. J'ai une lumière et il va donner un spectre de ray. Ce n'est pas toutes les couleurs, certaines. Il ne possède pas toutes les couleurs, mais seulement certaines. Chaque élément chimique à l'état gazeux. Ce spectre de ray d'émission. C'est comme si c'était une empreinte digitale d'une personne. Utiliser le spectre de rayon d'émission d'un élément pour l'identifier en tant qu'élément chimique. Et c'est ce que font les intermédiaires. Chez les internautes, il y a un P. Sur les. Les chercheurs, quand ils vont sur les planètes, d'accord? La planète Mars,
Les Les astronautes. astronautes, merci. Les astronautes, ils prennent avec eux miniatures pour justement étudier quel type d'éléments ils peuvent trouver sur les planètes, par exemple la planète Mars. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent un échantillon, ils le font passer dans... Ils vont avoir un spectre. Un spectre, par exemple, l'hydrogène ou le fer ou là. Et justement, une base de données avec tous les éléments chimiques. Chaque élément chimique a son propre spectre. Donc, par identification, ils sauront si tel ou tel composé élément existe sur cette planète ou non. Donc, voilà comment, à quoi sert d'utiliser la spectre ou bien les spectres justement dorés, les spectres dorés. Donc, on peut utiliser le spectre de Ré en tant qu'élément chimique. Par exemple, quand vous êtes dans la rue le soir, et il y a bien sûr l'éclairage public, vous avez dû remarquer que l'éclairage est plutôt jaune. Alors, jaune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Oh, c'est pas vrai. Le spectre de la lumière émise par l'éclairage public, il présente en fait deux raies très rapprochées. On les appelle le doublé du sodium. Elles ont exactement à 589 nanomètres et 589,6 nanomètres. Donc la lumière jaune qui provient ici, c'est le sodium qui émet deux raies, deux longueurs d'onde. 589 et 589,6. Bon, la plus dense, c'est celle-là, 589. Autrement dit, si vous avez un échantillon, vous voulez l'analyser par. On vous donne les longueurs d'onde qu'il y a. Si vous avez laissé deux là, 589 et 589,6, vous obtenez du sodium. Et ainsi de suite, chaque élément chimique est caractérisé par une, la deux ou la même trois longueurs d'onde en nanomètres. Par exemple, vous avez le spectre d'émission de quelques atomes. L'hydrogène, vous savez qu'on a, voilà ce qu'on appelle les raies, les traits. Il est noir et vous avez une longueur d'onde ici, une autre ici, une autre ici. Donc là, ici dans l'infrarouge, ou là dans le visible. Il est plus riche. Donc ça va être plus difficile de l'identifier. Le sodium le plus intense, c'est 589, 589,6. Les autres, elles sont. C'est pas intéressant de s'intéresser aux autres, c'est surtout là où il n'y a pas beaucoup. C'est là où ça devient intéressant. Par exemple, elle dit Wahda, elle caractérise l'hydrogène, elle dit Wahda, elle caractérise l'hélium, elle dit Wahda, elle caractérise le sodium, et bien sûr, il faut au moins Wahda. L'argon, bien sûr, et je ne sais pas si c'est évident de le caractériser ou non. Donc tout ça, c'était le spectre d'émission. Qu'est-ce qu'on remarque? Un spectre de lumière. Regardez bien le fond. Donc le spectre de la lumière, c'est-à-dire dans le visible, toutes les couleurs sont... Il n'y a pas de fond noir. Il n'y a pas de raie. Donc il y a une continuité progressive de couleurs. Dans le spectre d'émission, il est noir et on a des raies, quelques raies caractérisant l'élément. Un autre. Voici spectre d'émission.
Le fond, il est noir et vous avez quelques raies. On passe maintenant au spectre d'absorption. Qu'est-ce que le spectre d'absorption? Le fond, il est coloré et vous avez dessus des raies noires. Donc, ce n'est pas un spectre continu, c'est un spectre de raies. Voilà. Donc, de même que les atomes ou les molécules peuvent rayonner de la lumière sous forme d'un spectre ça veut dire que le gaz va absorber cette lumière, le spectre il va être modifié. Certaines couleurs vont être, et on va voir des raies noires, appelées raies d'absorption, sur le spectre coloré continu. Donc ce sont ces raies noires sur le spectre coloré qui vont caractériser le gaz. Donc vous avez la propriété importante de ce spectre de raies d'absorption, c'est que pour un même composé, ces raies se produisent au même endroit que les raies d'émission. C'est-à-dire le gaz est... Les raies sont les mêmes. Les couleurs absorbées par un gaz sont les couleurs qu'il est capable d'émettre. Le fait que le soit un spectre de raies d'émission ou la d'absorption dépend des conditions du gaz. S'il est chaud, il va émettre. S'il est froid, la lumière, il va absorber. Tout dépend des conditions opératoires. S'il est froid, il reçoit un rayonnement pour émettre. S'il est chaud, automatiquement, il va émettre. On est froid. C'est normal, il va recevoir. Il va recevoir de l'énergie. Voilà, un gaz froid. Il y a une lumière incidente qui va traverser le gaz et il va donner une autre lumière émise. Et le spectre, il ne va pas être continu. Des coupures. Une raie, une première raie, une deuxième raie qui caractérise le gaz. C'est des raies d'absorption. Donc, voici un schéma qui vous montre la différence entre les... Le premier, c'est un spectre continu de couleur, c'est le spectre de la lumière blanche. D'accord? Donc, lorsque on étudie la lumière blanche à l'aide d'un prisme, voilà le spectre obtenu. Maintenant, c'est un gaz qui est chaud. Et on va analyser la lumière émise donc, à l'aide d'un prisme. On aura un fond noir. C'est un spectre d'émission. Maintenant, si on a un gaz froid et il va recevoir la lumière, la lumière émise donc, par ce phénomène-là, le prisme va donner un fond coloré avec des raies noires. C'est un spectre d'absorption. Ça, c'est un spectre d'émission. Et Madame, ça, c'est un spectre continu. Oui. Des points rouges. C'est le gaz. C'est juste un gaz. Il est chaud. Il va émettre de l'énergie. Il va donner de l'énergie qui est analysée à l'aide d'un prisme. Pour voir les détails, ça donne des raies sur le fond noir. Contrairement, au lieu d'avoir des roues, maintenant c'est pas chaud, c'est froid. Le gaz froid, quand il reçoit de la lumière, il va être un spectre. Quel genre de spectre? Des raies noires sur un fond coloré. Donc ça, c'est pour vous montrer quelle est la différence entre l'émission et un spectre d'absorption. Le spectre d'absorption, le fond, il est coloré et dessus, vous avez des raies noires caractérisant le gaz. Le spectre d'émission, le fond, il est noir
Et vous avez des raies colorées. Donc, c'est un discontinu. Alors que celui de la lumière, c'est un spectre continu. Pas la peine, je crois. Non, c'est pas la peine de revoir ça. Alors, je vais passer maintenant à autre chose. Un autre volet. Arrêtez le partage. Et là, on va aller. Donc, on va voir la spectroscopie atomique, donc d'absorption et d'émission. Bien sûr, il y a des appareils qui sont différents. On ne va pas trop s'étaler, on va juste voir le côté pratique de ces deux méthodes. Arrivez à voir, Yac? Non? Non, madame. Non, le partage n'est pas terminé. Ah, ok. Je vais partager ça. Et ça, voilà. Très bien. C'est bon. Ok. Donc, la spectroscopie, bon, je vais enlever ça. Ça va me casser les pieds. Voilà. Alors, la spectrométrie d'absorption atomique, SAA, spectro d'absorption atomique. Nous, on vient de obtenu par absorption ou l'appareil. La SAA. Spectro d'émission atomique, la SEA, sont deux techniques qui sont très utilisées pour analyser presque tous les éléments du tableau périodique, même s'ils sont à l'état de trace dans un échantillon. Donc, voilà à quoi sert l'absorption atomique. Pour quelqu'un qui veut connaître, est-ce qu'il y a n'importe quel élément chimique du plomb ou là du cadmium ou là dans du lait ou là, la spectro d'absorption ou la d'émission. Ces deux techniques, comme on vient de le voir, le spectre d'absorption, c'est noir, le spectre d'émission, c'est le fond noir et des raies colorées. Je reparle du phénomène d'absorption, c'est-à-dire l'électron, quand il est à l'état fondamental, il va recevoir de l'énergie pour passer à l'état excité. L'émission, l'électron, il est à l'état excité, il va dégager de l'énergie pour retomber sur l'état fondamental. Donc, les deux techniques vont mettre en jeu. Il faut l'avoir en tête. On parlera toujours d'atomes à l'état gazeux. J'ai molécules d'hydrogène, molécules d'oxygène, molécules. Non, c'est des atomes pris à l'état gazeux ou la vapeur. Donc, l'appareillage, il va produire une vapeur à partir de l'échantillon. C'est-à-dire l'échantillon, on va le mettre dans l'appareillage, mais il y a une partie de l'appareillage exciter l'échantillon et il va y avoir une sorte de bombardement pour que les atomes soient dans leur état gazeux. Donc, ceci va induire la destruction de la molécule à analyser. Bien sûr, on va pas, elle est irrécupérable, on ne pourra pas récupérer la molécule. Mais il est possible de doser simultanément toutes les formes d'un même
élément. Madame. Oui. معناها بلي ما كاش سبكتر ما كاش فورنيسمون دينرجي هكذا نو 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 dégagé qui donne ce spectre-là, mais ce n'est pas un spectre continu. On ne peut lire que certaines raies, certaines. Par exemple, les deux spectres, c'est le même élément qui peut soit donner un spectre d'absorption, soit le spectre pour un même élément, les mêmes raies d'absorption ou la démission vont être identifiés sur leur. Elle dit c'est la même, les deux hadoma c'est le même, etc. Donc, la différence binatang, soit c'est une absorption, soit c'est une émission. Si le fond il est noir, c'est un spectre d'émission. Si le fond il est coloré, c'est un spectre d'absorption. Mais comme l'atome d'hydrogène. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'atome d'hydrogène, nous avons la série de Lima, Balmer, Paschen. Vous vous rappelez? Non. Oui, madame. Oui, madame. Et chaque série, j'ai été dans un domaine. L'UV. C'est la même chose ici. Ce sont des longueurs d'onde spécifiques caractérisant chaque élément. Alors, ce que vous allez voir en pratique, c'est la loi de Bir-Lambert. C'est-à-dire que l'émission atomique, la loi de Bir-Lambert va être appliquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en spectro d'absorption, en fonction de la concentration. Et K, c'est quoi? C'est un coefficient qui caractérise pour une longueur d'onde donnée. Donc, l'absorbance, elle n'a pas d'unité. C'est la concentration. Le K, c'est le coefficient propre à chaque élément pour la longueur d'onde choisie. Pour la spectrodémission atomique, aussi, on a la loi de Bir-Lambert. Loi de Bir-Lambert, ça veut dire que l'intensité, donc spectrodémission, l'intensité va être proportionnelle à la concentration. Donc, l'intensité du rayonnement émis égale au coefficient propre de l'élément étudié et la concentration. Donc, théoriquement, que ce soit en absorption ou en émission atomique, est vérifié. En absorption atomique, on mesure l'absorbance en fonction de la concentration. Déterminer une concentration, soit on vous donne le nécessaire pour calculer la concentration directement. De la lumière qui est émise, donc on va mesurer l'intensité du rayonnement émis et elle va être proportionnelle à la concentration. Les mesures, ils vont se faire bien sûr à une longueur d'onde donnée. Ça dépend de l'élément à le faire. Chaque élément va être caractérisé par une longueur d'onde spécifique. Et bien sûr, on dit que n'est vérifié qu'à des faibles concentrations. On peut aussi étudier le Boltzmann. C'est quoi cette loi? Vous avez le rapport du nombre d'atomes sur le nombre de moles d'atomes à l'état fondamental. Ce rapport-là, il est égal à G, c'est-à-dire le rapport statistique des deux états fondamentaux et excité exponentiel, la différence d'énergie entre l'état fondamental et l'état excité. Sur la constante de Boltzmann, elle est donnée, fois la température absolue de Kelvin.
calculer le nombre d'atomes à l'état excité, connaissant le nombre d'atomes à l'état fondamental, connaissant le rapport statistique des états fondamentaux et excités, ainsi que la différence d'énergie entre les deux états. Donc, il suffit juste de faire des calculs. Les gens ont fait beaucoup de calculs, ils ont vu l'évolution de ce rapport pour certains éléments, le cuivre et le zinc. Donc, ils ont vu l'évolution de ce nombre en faisant varier la température de 2000 degrés K à 4000. Chaque élément est caractérisé par une longueur d'onde. On l'a dit tout à l'heure, le sodium, 89, le calcium, 423, le cuivre, 325, et le zinc absorbe à 214 nanomètres. Entre l'état fondamental et l'état excité, elle varie d'un élément à un autre. Dans notre cas, le sodium, le calcium, le cuivre et le zinc, donc elles augmentent dans ce sens. Et ce que les gens ont pu conclure à partir des valeurs calculées, comme l'absorption atomique, l'absorption dépend de N0, c'est-à-dire le nombre de noyaux à l'état fondamental. Alors, si la variation de température diminue, le rapport des deux nombres de noyaux à l'état excité est fondamental. Ça veut dire que la spectro d'absorption atomique est réalisée à des températures moins élevées. Inversement, en spectro d'émission, l'absorbance dépend du nombre de noyaux à l'état excité. Et ils vont plus la différence d'énergie diminue, la température augmente, le nombre de noyaux à l'état excité augmente. Autrement dit, la spectro d'émission est réalisée à des températures plus élevées. Donc, conclusion. Madame. La spectro d'absorption est réalisée à des températures moins élevées par rapport à l'émission. D'un autre côté, les métaux alcalins sont plus facilement analysables en spectro d'émission et donnent des flammes colorées. Oui. L'énergie d'excitation a un lien avec le nombre Z. Z? Oui. Je connais qui fait Z. Numéro atomique. Oui. Bah, je ne sais pas. Delta E égale H nu. H, c sur lambda. H, de les Z en air. Juste pour les molécules. Excitation de Cooper ou là. Une relation, quoi. C'est-à-dire le numéro atomique. Bon. Oui. Déjà, en premier. Numéro atomique, il faut faire attention. Est-ce que les éléments qu'on vous donne. Il se trouve sur la même période ou là, sur la même colonne. Il faut faire attention. Qui met le sodium ici, le calcium, le cuivre, le zinc, ils ne se trouvent pas sur la même. La même période, ni sur la même. D'accord? Le sodium, il se trouve dans la colonne. Le calcium a une période plus la quatrième, je crois, et la deuxième colonne, même période que le cuivre ni le zinc. Si c'est la même période, cuivre, zinc. Donc, est-ce qu'on peut trouver une relation binatome? Oui. Vous pouvez voir que les cuivres, on va dire inférieurs. Bon,
On peut raisonner le noyau du zinc est supérieur à Ca. Maintenant, les longueurs d'onde, elles diminuent, c'est normal puisque l'énergie augmente, ça varie inversement. Mais ça s'arrête là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'effet de la température. Donc, ce qu'on vous dit, lorsque la variation d'énergie diminue, le rapport du nombre de noyaux excités, il augmente dans le cas de l'émission. Et il diminue lorsque l'énergie augmente dans le cas de l'absorption. C'est un détail, il ne faut pas trop vous casser la tête. Ok, vous aurez à la limite, vous aurez une application numérique. Alors, maintenant, si on voit plus proche la spectro d'absorption atomique. La spectro d'absorption atomique, il faut savoir que c'est une méthode d'analyse élémentaire qualitative, quelques cas quantitatifs. Elle est basée sur le phénomène d'absorption du rayonnement électromagnétique UV visible. On l'a vu tout à l'heure, une ampoule à la lumière blanche du soleil. Donc, cette lumière atomique dans le même domaine. Donc, je vais pas trop. Voilà ce qui se passe. L'échantillon, il est réduit en vapeur atomique. Les atomes à l'état fondamental vont absorber le rayonnement spécifique. D'accord? Donc, l'échantillon, il est mis sous forme de vapeur. Il va absorber cette lumière. Il va émettre. L'absorbance, elle est proportionnelle à la quantité d'atomes de l'élément à doser. A égale K fois C. En spectro d'absorption, hein, des vapeurs atomiques, bon, il y a des façons pour réduire l'échantillon sous forme d'atomes gazeux. Soit on fait une atomisation, soit électrothermique. C'est tout ce que je vais dire. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc, voilà le schéma de la spectro d'absorption atomique. On va atomiser l'échantillon sous forme de gaz, atome dans l'UV visible, et la lumière émise va être proportionnelle à la concentration. Oui, il faut juste savoir que vous allez peut-être entendre parler de la lampe à cathode. Voilà l'échantillon. Il est donc dans une flamme pour l'atomiser et avoir des atomes à l'état gazeux. Et la lumière qui provient d'une lampe. Généralement, la lampe en ce moment, la lampe à cathode creuse. Donc, la lampe creuse, elle va donc traverser l'échantillon et on a un monochromateur qui va être fixé à une longueur de l'échantillon. On va fixer la longueur d'onde et on va analyser la longueur et il va être détecté. Donc, le seul inconvénient de cette méthode, c'est qu'on est conditionné par la longueur d'onde. C'est-à-dire, la source de rayonnement, la lampe à cathode creuse, elle analyser le sodium. Il faut que je mette à l'intérieur la longueur d'onde qui caractérise le sodium. Et si je veux utiliser un autre échantillon, j'ai une autre lampe. Donc, je suis conditionnée par la lampe. À chaque fois que je veux analyser un, je suis obligée de changer. Ça, c'est un inconvénient. Mais sinon, le résultat, il est bien.
Donc, un atome absorbe des longueurs d'onde très précises équivalent aux énergies. Pour un atome donné, l'idée serait de l'exciter avec la longueur de résonance spécifique. Exciter l'atome avec le spectre d'émission. OK, c'est pas la peine. Voilà. La cathode creuse, elle est constituée du même composé. Donc, à chaque fois que vous voulez changer de métal, vous êtes obligé de changer de cathode et ça assez cher. Parfois, on ne l'a pas et donc on est limité. Donc, l'inconvénient de la spectro d'absorption, c'est que doit être de la même nature que l'échantillon à analyser. Si je veux analyser du sodium, source, je dois avoir la même, le même métal, le sodium, etc. Voilà, donc il faut donc changer de lampe chaque fois qu'on souhaite changer un des inconvénients. Bon, c'est bon, je ne vais pas m'attarder. La flamme, non. Alors, on peut aussi mesurer l'intensité transmise avec l'échantillon. L'intensité transmise avec l'échantillon qu'on appelle I, ou la sans échantillon, c'est-à-dire Fr, le solvant, c'est moins I0. On définit des grandeurs transmittance. La transmittance, par définition, c'est le rapport des deux intensités transmises et sans échantillon. Ou là, en pourcentage, 100 fois I sur I0. Maintenant, je peux avoir la transmittance, je veux calculer l'absorbance. J'ai cette relation, le pourcentage de la 100 fois, c'est 100 moins le pourcentage de la transmittance. Et par définition, je crois qu'on a vu ça, l'absorbance, c'est le logarithme décimal. Donc, ce sont des relations que vous devez apprendre. On ne sait jamais, vous allez les utiliser en TD. Bon, d'accord. Alors, on termine avec la spectro d'émission. Donc, tout ce qu'on voit, d'absorption. En ayant l'émission, on a dit, le gaz, il est chaud, il va émettre un rayonnement. On va analyser son spectre. Il va donner un feu, un fond noir avec des raies, colorées. Donc, la spectro d'émission, c'est une méthode d'analyse élémentaire qualitative et quantitative. On peut même doser. Elle est basée sur le phénomène d'émission du électromagnétique UV visible par les vapeurs atomiques dans un domaine des transitions. Donc, c'est le même principe. Au lieu de la, c'est l'intensité émise, elle est proportionnelle à la concentration. Donc, voici la source d'échantillon, l'analyse d'un prisme, on a un détecteur et on fait des calculs, on a un spectre. Donc, l'échantillon, il va produire donc les atomes à l'état gazeux. En même temps, il va exciter ces atomes pour qu'ils dégagent. Après excitation, on aura le retour à l'état fondamental qui va être accompagné d'émissions de rayonnement spécifique. L'intensité va être proportionnelle à la concentration. En spectro d'émission atomique, il y a deux atomiseurs. Soit la donc elle va en même temps produire des vapeurs et en même temps exciter les atomes. Ou là, la torche à plasma, elle dit tu vois au master. Donc nous, dans notre cas, c'est pour ça qu'on dit la photométrie d'émission de flamme. En général, photo d'émission de flamme. C'est-à-dire c'est la flamme qui va produire.
Alors, émission, ça veut dire des flèches vers le bas. On est en état excité, d'accord? On descend vers l'état fondamental et ça donne un spectre comme ceci. Donc, la spectro d'émission permet une analyse élémentaire de composition, c'est-à-dire qu'il est possible d'identifier les éléments d'un échantillon de composition inconnu, contrairement à la spectro d'absorption, où on ne dose que l'élément pour lequel le spectromètre a été préparé. Comment? Par le choix de la lampe de l'élément analysé. Alors, spectro d'émission, on a un échantillon qui peut contenir plusieurs éléments, je pourrais les identifier. Alors qu'en absorption, non. Creuse, je ne peux doser que l'élément qui a la même, qui est identique au métal qui est dans la source. Et excitation, pour chaque atome, il existe une centaine de possibilités de retour à l'état fondamental. Et pour chacune, la longueur d'onde spécifique est émise. Ainsi, le spectre de l'émission atomique présente plusieurs raies d'émission qui constituent une empreinte de l'élément à doser, alors qu'en absorption, les mesures se font sur une longueur d'onde sélectionnée par la bande passante, c'est-à-dire la bande fixée par l'opérateur. Bon, là, c'est je schématise soit les spectres ou là de plasma, torche à plasma, vous allez le voir en master. Bon, pas la peine. Voilà. D'ailleurs, qu'on a appelé lorsque les atomes sont excités, ils vont tendance à revenir à l'état fondamental. Et il y a plusieurs façons. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus d'émission que d'absorption. Là, il y a plusieurs possibilités. Lorsque, par exemple, l'atome il est au niveau 4, soit 4P, soit 4P, 3P, soit 4P, 3S. Donc, imaginez le nombre de transitions de raies que de transitions électroniques. D'où le spectre de raies qui comporte plusieurs raies, dont la raie la plus intense. Par exemple, pour le 2, 2S2, 2P6, 3S1. Le sodium, 3S1, la transition, c'est 3. Et donc, on l'appelle la raie de résonance, c'est la plus intense, la plus probable. Et c'est elle qui sert à créer un élément chimique. Donc, ce sont des transitions qui mettent en jeu des longueurs d'onde situées dans le visible et dans le proche et moyen UV. Pour le césium, lui, il absorbe dans l'UV 150 nanomètres, alors que le sodium, c'est entre 380 ou 400 et 700, ça c'est le visible. Alors, comment identifier un échantillon? On vous donne par exemple des spectres et c'est à vous de dire que tel échantillon contient ce métal ou là, cet élément. Et il suffit de savoir que le sodium, comme on l'a vu déjà, il a une longueur d'onde de résonance caractéristique 767, un dosage orange et rouge. Le lithium 671 dans l'orange, le cadmium et le zinc 216 nanomètres. On reconnaît un spectre d'émission par un fond noir avec des traits en couleur. Comment on peut appliquer ces deux méthodes spectroscopiques dans notre monde? Eh bien, ça sert beaucoup,
si on veut analyser et faire une analyse élémentaire dans l'environnement pour voir quel type d'éléments chimiques vous avez. Analyse des denrées alimentaires, par exemple, dans le poisson, les céréales, en métallurgie et pétrochimie, tout ce qui est céramique, le verre, les alliages, le pétrole. En médecine, on peut analyser avec les métaux lourds dans les cheveux, les ongles. L'industrie pharmaceutique, tout ce qui est matières premières et produits finis, les méthodes spectroscopiques, donc par absorption ou la émission. L'analyse qualitative ou la quantitative, on peut identifier et doser des substances ou des principes actifs, des matières premières, par exemple les fortifiants, les tonifiants, les antistress. On peut analyser les médicaments par voir, détecter, même si c'est à l'état de trace, quel type de minerais on peut trouver. Le contrôle des impuretés élémentaires, les métaux lourds qui ont pour origine les catalyseurs, les réactifs métalliques utilisés dans la voie de synthèse des substances actives, les lignes de production et de transfert, les solvants utilisés pour le nettoyage, tout ça, on peut l'analyser par absorption. Donc, comme je l'ai dit, pour l'analyse qualitative, il y a les alcalins et il y a les alcalinotéroïdes. Il suffit de repérer l'arrêt la plus intense du spectre, c'est-à-dire pour pouvoir connaître la composition du mélange. On note que l'élément métal, il lui faut au moins 3 raies pour l'identifier. Par exemple, le fer, il ne suffit pas de dire « Ah, j'ai une bande à 318, donc c'est le fer ». Non, il faut trouver le fer, il est caractérisé par 3 bandes, la 318, la 248 et la 241. Si vous avez 2, vous savez à 100% qu'il y a du fer dans votre échantillon. Il faut trouver les 3. Et on vous dit qu'il est très rare de trouver 2 éléments émettant à la même longueur d'onde. C'est très rare. Vous ne pouvez pas trouver un autre élément qui va donner ces mêmes 3 bandes ou les 2. Voilà, je crois qu'on a terminé le cours. Je sais que j'ai été... j'avais peur que je vais m'étaler. Mais normalement, j'ai donné l'essentiel. Je vais vous en le cours, même les détails. Et vous pouvez le revoir et me poser des questions la prochaine fois. Merci. Ok. Merci, je madame. Vous en prie. Merci, madame. Il n'y a pas de questions, ça va? Oui. Donc, je vous ai maintenant le cours. Alors, pour le.